Ouais, aujourd'hui j'avais le regard noir, j'étais vraiment énervé contre moi après l'individuel, après les deux relais aussi, et où j'avais pas montré mon potentiel au tir notamment, où voilà, j'ai été un peu en retrait de ce que j'aurais aimé faire, sans parler de médailles ou de résultats, en parlant de manière. C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne rends pas l'or à Alexis, Simon et Jean-Guillaume, mais je crois que je le donne à tout le reste de l'équipe, aux farteurs, aux coachs et à tout le public français. Donc c'est des sentiments merveilleux et c'est incroyable. Ouais, c'est vrai que j'étais en train d'y penser il y a 2 minutes, 3 médailles d'or sur des mondiaux. Je connais Raph et Biondalen, donc je me bats pas pour rentrer dans le livre des records ou pour devenir une icône ou une légende, mais je sais ce que j'ai fait là, c'est grand, je m'en aperçois et finalement ça, je suis content parce que je change pas et c'est que du plaisir, ça vient en plus de tout le travail qui est fait et voilà, c'est... Je vais pas en dire que c'est une récompense parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui travaillent et qui aimeraient en être là aussi, mais je crois que on est dans une bonne dynamique avec l'équipe et que voilà, ces titres vont pas monter à la tête et on sait qu'il reste du travail à accomplir. Je suis déjà focalisé sur les finales avec Antimansisk et après on a un petit œil sur Sochi, voilà. Non. non. Il me reste une semaine pour toucher un autre de mes rêves. J'espère que j'y arriverai, un beau rêve en jaune et voilà. Et toujours dans votre mémoire. Ah, ça c'est sûr que RuPolding restera pour toujours dans ma mémoire. Comme Kimanzis, comme Vancouver, j'espère qu'il y en aura d'autres. C'est sûr que dans ma carrière sportive, c'est d'ores et déjà un des plus grands moments. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère aller toucher l'or au JO dans quelques années. Dans un an et demi, 2 ans. Ça sera beau pour moi et voilà, je serai encore plus fier qu'aujourd'hui.